Stop aux décisions nationales du ministère de l'Intérieur. Au-delà des décisions prises par l'autorité de tutelle, une nouvelle mesure est à l'étude par l'inspection générale de l'administration et son intention inquiète les syndicats dans des affaires de violence. Quand on voit que les individus qui sont mis en garde à vue ont droit à l'avocat à la première heure aux frais des contribuables, on n'arrive pas à accepter qu'on puisse juste évoquer le sujet d'enlever l'aide juridictionnaire, c'est-à-dire la protection des fonctionnaires par un avocat qui est payé par l'administration. Sur Perpignan, des problèmes d'effectifs avec une demande de sécurité en constante progression, c'est mission impossible. Depuis 2009, on a perdu 30 policiers, il y en avait 395 au commissariat de Perpignan, ils sont plus que 365. Donc ça a des effets induits sur la sécurité des concitoyens, puisqu'on nous donne des missions prioritaires, notamment la ZSP et sa mise en place, avec 30 policiers de moins. On nous demande du travail en plus avec des effectifs en moins. Avant de rétablir la confiance population-police demandée par leurs supérieurs, les gardiens de la paix souhaiteraient avant tout rétablir la confiance police-employeur.